Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire un slime avec de la poudre de perles couleur or. Donc ça fait super longtemps que j'en avais pas fait. Et dedans je vais rajouter, donc vous savez, une fois par semaine j'essaye de faire un slime comme on demande en commentaire. Et là on m'a demandé de rajouter des grelots dedans. Donc je suis tombée dessus par hasard et je me suis rappelé qu'on m'avait fait la demande. Donc je me suis dit pourquoi pas. Je les ai eu à Noz. Voilà, pour 99 centimes, il y a encore le prix dessus. Donc là j'en ai 50, bon je sais pas si je vais mettre les 50. Donc c'est plutôt sympa. Donc c'est parti, on va voir ce que ça donne, on va voir le résultat ensemble. Donc je vais commencer par mettre de la colle. Alors j'ai pris de la colle transparente parce que bah, j'avais envie de faire un slime normal. J'aurais pu faire ça en fluffy slime aussi. Un peu plus, hop, là ça me paraît pas mal. Donc j'avais une petite question à vous poser. Voulez-vous que je teste quelques slimes de la petite épicerie? Il y en a qui me l'ont demandé et ça va bientôt se faire. Donc il y en aura un sûrement cette semaine et un deuxième la semaine prochaine à tester. Dites-moi en commentaire. Donc voilà, j'ai rajouté un petit peu d'eau. Et maintenant, je vais rajouter ma poudre de perles. Alors pour ceux qui ne savent pas, ma poudre de perles, je l'ai eue dans un magasin de bricolage. Donc je pense que tous les magasins de bricolage en vendent. Je me rappelle plus trop du nom. Moi, je crois que c'était Bricocash. Je sais plus. Enfin voilà, vous allez à Bricomarché, Bricocash. Monsieur Bricolage, enfin, je pense qu'ils en vendent tous. Bon, après, il y a plein d'autres magasins. Donc, on va commencer par mettre ça. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est tout simplement une poudre couleur or. Donc, surtout, il faut bien mélanger. Mais ça fait une très très belle couleur. Pour ceux qui n'ont pas vu, mais après, c'était tout au début de mes vidéos. J'avais déjà testé le slime couleur or. Franchement, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Et je pense que c'est un de mes plus beaux slimes que j'ai fait sur ma chaîne. Donc voilà, ça a vraiment la couleur. On l'obtient très vite. Par contre, il faut mélanger assez longtemps parce qu'il y a une poudre. Enfin, assez longtemps. Là, ça va être bon. Voilà, donc maintenant il ne me reste plus qu'à rajouter les gouttes pour les yeux, les petits grelots et on va avoir notre slime. Donc les gouttes pour les yeux, comme d'habitude, c'est du Dacryocérum. Donc là, il va falloir bientôt que j'aille en racheter d'ailleurs. Alors le Dacryocérum, vous trouvez ça en pharmacie pour 3 euros environ. Ça coûte vraiment pas grand chose et ça dure super longtemps. La preuve, vous pouvez voir le nombre de vidéos que j'ai fait avec. J'en ai fait pas mal. Donc notre slime commence à se former, vous pouvez le voir. Voilà. Bon là, il va falloir quelques gouttes pour les yeux parce que ça se décolle pas du tout des bords. Je ne fais aucun placement de produit, hein, je voulais vous prévenir quand même. Tout ce que j'utilise, je les achète moi-même. Voilà, si j'aime, j'aime. Si j'aime pas, j'aime pas. Je le dis. Donc la poudre de perles, par contre, je ne pourrais pas vous dire son prix, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle vraiment plus. Ça fait super longtemps que je l'ai. Ça doit faire un an ou un an et demi que je l'ai, donc je m'en suis même servi pour autre chose, pour mettre dans de la peinture, parce qu'en fait ça sert normalement à se mélanger à de la peinture pour donner un effet métallique. Donc c'est pour ça que je l'avais acheté déjà au départ.
Donc voilà, j'ai terminé de le travailler. Maintenant, je vais rajouter les grelots. Donc il y en a deux sortes. Il y en a des plutôt brillants et plutôt mat. Donc le mat, il est comme ça. Et le brillant, il est comme ça. Donc il y a une petite différence. Voilà, je vais mettre un peu des deux. Donc je me demande si le slime va pas rentrer dedans et empêcher le bruit. Bon, après on va voir. J'essaye de tout bien rentrer dedans. Ouais, je m'en doutais. J'essaie d'en libérer un. C'est pas très grave. Donc là, ça me paraît pas mal. Donc c'est plutôt sympa, la couleur du slime, franchement j'adore. Pour moi oui, c'est vraiment la plus belle couleur que j'ai fait de tous les slimes que j'ai fait sur ma chaîne. C'est vraiment celui que je préfère. Ça fait super longtemps que j'en avais pas fait un, ça fait super plaisir d'en faire un. Par contre pour les grelots, alors que je vous explique, je pense que c'est pas une très très bonne idée. Bon après, ça rend bien quand on les tire comme ça et tout. Mais voilà, j'aurais mis des grosses perles, ça aurait fait pareil. Tout simplement parce qu'il n'y a pas le bruit en fait. Il y a le slime qui doit rentrer dedans. Et ça ne fait pas de bruit. Ça empêche la cloche de faire du bruit. Donc si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus. Partagez. Et abonnez-vous. Bisous les amis.